grille des tripes sont de retour. Non pas pour vous jouer un mauvais tour, mais pour vous emmener avec nous à Uzès. On est parti ce matin à... L'infotrafic. Ok, l'infotrafic se met en route. Tout va bien. Bref, je disais donc qu'on est parti ce matin à 8h30. Ouais, 8h30, ouais, je crois. Et nous avons eu du bol plutôt tout le long de la route, puisqu'il n'y avait quasiment personne, sauf que là, arrivé à 200 bornes, même pas du point d'arrivée, justement, on se tape des fucking bouchons. Autant vous dire que Trip, il en peut plus, il est sur le point de péter un câble. Donc on essaiera de vous emmener un petit peu avec nous, mais là pour l'instant on va déjà essayer de sortir des bouchons. Voilà, je suis désolée. Rappel 110, j'aimerais déjà être à 50, ce serait bien. Ouais, parce que là on est à 30 quand on n'est pas arrêté. Bref, voilà, la joie des bouchons, la joie des vacances, mais on s'en fout parce qu'une fois arrivé, on sera trop bien et on va se détendre la nouille et bouquiner pendant une semaine et ça c'est juste le bonheur. Voilà. On vous retrouve très bientôt. Quand j'étais sur la route toute la sainte journée, je n'ai pas vu le tout en toi s'immiscer. J'étais sur la route toute la sainte journée. Résumé de la journée, on est toujours sur la route. Toujours. Il est 18h et on n'est toujours pas arrivé, on n'en peut plus. Les gens, je vous retrouve un petit peu tard puisqu'on est le lundi 22, je crois, juillet. Effectivement, hier je n'ai pas vlogué du tout puisque clairement c'était journée détente de la nouillasse. Voilà, on n'a fait que de la piscine et de la lecture pour ma part, etc. etc. On en avait vraiment, vraiment besoin. Donc voilà, ça fait beaucoup, beaucoup de bien. Là aujourd'hui on est allé visiter un petit peu Uzès. J'ai pas vraiment trop filmé mais on va y retourner donc je pense que je vous ferai des petits inserts vidéo. C'est vraiment une très chouette petite ville. Donc voilà, j'espère pouvoir vous montrer ça. Et puis je vous ferai un petit tour du clos où on est parce que c'est absolument sublime. C'était en fait un ancien... Bref, un ancien lieu où il y avait des prêtres, des moines ou des choses comme ça. Mais ça a été refait et c'est juste sublime. Ce qui est un petit peu idiot, c'est que finalement on se retrouve à 4 alors que le truc est immense. Donc je ne vous ferai pas, à mon avis, la visite de tout le lieu parce que c'est vraiment très très grand. Mais voilà, du coup là on est revenu du test. C'est de nouveau détente à la piscine. Je me suis fait défoncer par les moustiques par contre. C'est pas cool. Et je vous montrerai un petit peu en vidéo les lectures que j'ai faites depuis que je suis arrivée, puisque j'en ai déjà lu 2. Et là en ce moment je suis sûre. Bah ouais, forcément, Fred Vargas, j'étais en manque. J'en ai pris 2 dans ma valise. Plus un asile aussi. Je vous tiens au courant, mais pour l'instant c'est plutôt cool en fait, c'est un format de nouvelles où on retrouve entre autres, en tout cas dans la première là, le commissaire Adamsberg que j'aime beaucoup. Donc voilà, je pense que je vais passer un très bon moment de lecture au bord de la piscine. Il y avait une espèce de grosse... Ok, désolée. Donc voilà, je vous montre un petit peu la vue parce que franchement, il y a pire dans la vie. Voilà. Je vous avais dit, il y avait pire dans la vie. Donc ça, c'est ma nouvelle copine que j'ai ramenée. Je ne l'ai pas encore inaugurée, mais ce sera bientôt chose faite. Là, un petit transat. Au bord de la piscine avec les cigales. Je vous confirme, on est bien. On est bien, Tintin. Anna, Anna. Là t'es bien. Alors ah, je vais couper au montage. Je suis obligée de vous montrer ça. Je me fais pas un fou rire.
pris une fessée licorne. T'as la classe, mais internationale là comme ça. C'est Gary Tripper. On est parti de Saint-Jean-de-Gard, je crois. C'est ça. Et on est dans le Baudelaire Express. Pardon pour les gros plans, hein. On vous embarque. On a l'impression d'être en cours de botanique avec Chourage. Bonjour, professeur. Mon petit. Oh. J'étais en train de chercher le nom d'un. Du truc là. Strangulo, les. Non. Je sais pas. C'est collé. Oh, ça sent c'est bon. Bien. Ça sent super bon et c'est super joli. Salut, je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes jeudi déjà. Oui, je sais, je n'ai pas beaucoup vlogué. Mais voilà, c'est les vacances, j'ai vraiment envie et besoin de me reposer et du coup, ben, on profite vraiment pas mal. Donc je vous avoue que j'ai pas forcément toujours ni l'idée ni l'envie de vloguer toute la journée, d'être accrochée à mon téléphone. Donc voilà, ce qui explique un petit peu que je vlogue cette semaine de façon pas très régulière. En tout cas, je voulais vous reprendre là aujourd'hui pour vous faire un petit tour du mât qui est absolument magnifique là où nous sommes, et puis pour vous faire un point sur mes lectures, parce que merci les vacances, j'ai enfin pu, je dirais pas rattraper mon retard, puisque voilà, il n'y a pas de retard vraiment, mais reprendre un rythme de lecture qui me convient un petit peu mieux, parce que c'est vrai que ces dernières semaines, avec tout ce qu'on a eu à faire, et ben, j'ai pas lu énormément et clairement ça me manquait. Donc là je me suis un petit peu rattrapée et je vais vous en parler un petit peu tout de suite puisque je vais pas rentrer non plus énormément dans les détails. Parce que je vous en parlerai un petit peu plus en détail dans des points lecture. Alors donc depuis dimanche que nous sommes arrivés, j'ai lu quand même pas mal et franchement ça fait vraiment du bien. Je sais plus ce que je vous avais présenté, je crois que je vous avais fait un petit focus sur ce Fred Vargas, qui est donc un recueil de 3 nouvelles. Voilà, vu l'épaisseur, vous devez vous douter que je l'ai bouffé, mais en quelques heures. Donc voilà, ça, j'ai énormément aimé. En même temps, c'est Fred Vargas. Il y avait quand même peu de chance pour que je sois déçue. J'ai également lu une de mes autres auteurs chouchou, qui est donc La petite fêlée aux allumettes de Nadine Monfils. Bon, là encore, hein, forcément, Nadine Monfils, je suis désolée, je suis peut-être pas objective, je le reconnais,
Mais voilà, j'ai encore beaucoup aimé cette histoire. Bien sûr, je rentrerai plus dans les détails dans un prochain update lecture. Mais voilà, en tout cas, pour l'instant, j'ai beaucoup aimé. J'ai ensuite lu, ça c'est le dernier que j'ai terminé là hier soir, Mémé dans les orties d'Aurélie Vallone. Je ne connaissais pas du tout cet auteur. Et qu'est-ce que ça fait du bien, quoi. Enfin, vraiment. Là encore, je vous expliquais un petit peu plus en détail tout ce qui m'a plu. Mais voilà, surtout là, pour la saison, je trouve qu'en ce moment, en été, c'est quand même super agréable de lire des petits livres feel good. Et alors, pour le coup, celui-là, pour moi, il rentre totalement dans cette catégorie. Je l'ai dévoré, j'ai adoré cette petite histoire. Donc, je vous le conseille sans souci. Il y a un nuage qui passe, je suis désolée. Je vous jure, hein, je suis dans le sud, il y a de la lumière et tout, mais là, on a l'impression que je vis dans une grotte. J'ai lu également Petit Pays de Gaëlle Faye, qui me faisait envie depuis très longtemps. Je l'avais dit avec la couverture, tout ce jaune, je me suis dit en été, ça va être tip top. J'ai beaucoup aimé ce livre, je vous expliquerai plus en détail ce qui m'a gêné au premier abord, et finalement j'ai fini sur un waouh, un ça m'a pris au cœur, là encore je vous le recommande vraiment, je vais avoir du mal à vous en parler de ce livre, hein. Il retourne pas mal, mais c'est extrêmement bien écrit, c'est extrêmement poignant, voilà, pareil je l'ai dévoré, ça se lit tout seul, il fait 200 pages et je conseille vraiment à tout le monde de lire ce livre. Et puis, le dernier, ça fait très longtemps qu'on entend parler de celui-là, il passe sur toutes les chaînes, etc. Il y avait une lecture commune sur un groupe de challenge que je suis. Je me suis dit, bon allez, même si ça ne me tentait pas énormément, je me suis dit, lance-toi, il faut bien que tu commences. Tu ne connais pas cet auteur, ce sera l'occasion de la découvrir. J'ai donc lu... Moi, Simon, 16 ans, Homo sapiens. Vivement que je vous fasse le point lecture, parce qu'il faut que j'en parle avec vous. Je risque de me faire lapider en place publique, si possible, je m'y attends. Mais voilà, sachez que je ne serai pas aussi dithyrambique que la plupart des avis que j'ai vu passer. J'ai d'ailleurs un peu de mal à comprendre ce brouhaha autour de ce livre. C'était pas désagréable, mais je pense que vraiment là, tout le marketing autour de ce livre a joué énormément. Et personnellement, voilà, ayant mis le marketing de côté, je suis pas persuadée que ce livre mérite autant d'éloges qu'il en a. Donc là encore, je vous expliquerai ça plus en détail très prochainement dans une prochaine vidéo. Mais voilà, en tout cas, Simon, 16 ans, machin chose, c'est enfin lu. Je connais du coup enfin un petit peu la plume de Becky Albertalli. Et puis, il me reste un autre à lire. D'ailleurs, j'étais persuadée d'avoir la suite de Love, Simon, Léa Contretemps. Et en fait, je vais regarder dans ma pile à lire en rentrant, mais je crois que je me suis totalement fourvoyée. Je ne sais pas pourquoi, j'étais persuadée de l'avoir. Donc, je vais déjà lire mes hauts, mes bas, machin chose, là. Et puis, je ne suis pas certaine, pas du tout sûre d'acheter le tome 2, entre guillemets, Léa Contretemps. Donc, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5 livres depuis dimanche. Donc, c'est plutôt pas mal, je suis plutôt contente, même si la plupart sont des petits bouquins. Et du coup, après ce florilège de petits livres, je décidais de m'attaquer à une méga grosse pavasse. Enfin, j'ai vu pire, mais c'est déjà pas mal. J'ai nommé Forbidden de Tabitha Suzuma. Voilà, quand même bien épais, je l'ai déjà bien entamé hier soir, jusque à peu près 1h du matin. Pour l'instant... J'accroche quand même pas trop mal. Voilà. L'ambiance, je ne savais pas que ça se passait en Angleterre, donc ça, c'est plutôt une bonne surprise pour moi. Donc voilà, je sais un peu ce qui m'attend dans ce récit, mais pour l'instant, la plume ne me dérange pas trop. L'ambiance anglaise a plutôt tout pour me plaire, donc
Je vous en reparle bientôt, mais c'est plutôt un bon début. C'est la fin des vacances. On vient de profiter une dernière fois de la petite piscine. Et merde, j'ai mis de l'eau dessus. Et moi, je suis en train de terminer Forbidden. J'ai un avis plutôt mitigé, en fait. C'est un livre franchement compliqué, je trouve, à aborder. Bon, voilà, je sais comment vous faire une chronique dessus. Va vraiment falloir que voilà, je réfléchisse à ma critique, parce que c'est vraiment pas un livre qui est simple, je trouve, à décortiquer. Donc voilà, dernière vue sur la piscine. Il y a pire dans la vie. Avec une belle lecture, c'est encore mieux. Bon, c'est notre dernière soirée à Uzès. Et oui, les vacances prennent fin, malheureusement. Je voulais juste faire un dernier petit point dans ce vlog pour vous dire que j'ai terminé Forbidden et que bah, je suis très pressée de vous en parler, parce que clairement c'est une lecture qui ne veut pas laisser de marbre.
Voilà, je ne dirai que ça, mais je le mettrai peut-être pas entre les mains de tout le monde, quoi. Enfin bref, tout ça pour dire que bilan lecture, sur 6 jours, j'ai pu lire 6 bouquins, donc je suis plutôt ravie. Et puis, ben, je vous parle de tout ça plus en détail très très vite, parce que clairement, ça me manque de vous faire des vidéos. Voilà, en tout cas, nous, on a passé une très bonne semaine qui nous a fait énormément de bien. J'ai pu rattraper mes retards de lecture et je suis ravie. Tout ça pour dire que, bien, moi, je vous souhaite paix, amour et littérature dans vos cœurs. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo dans le Nord. Salut !